Bonjour Monsieur Morvan. Bonjour. Lors des travaux préparatoires à votre rapport sur le rapport de préfiguration sur l'Agence nationale de cohésion des territoires, vous avez évidemment rencontré de nombreux élus. Quelles sont les principales attentes que vous avez identifiées chez eux dans ce domaine précis ? Évidemment, j'ai rencontré de nombreux élus à l'AMF, évidemment, son président, son vice-président ou son premier vice-président délégué. Évidemment, beaucoup d'élus aussi sur le terrain, sur le territoire, liés à la fois à ma préparation de ce rapport et en même temps à mon expérience, évidemment, professionnelle. Ce que j'ai ressenti, ce qu'on m'a dit aussi, c'est que aujourd'hui, beaucoup trop de territoires, au sens large du terme, avaient des projets et n'arrivaient pas à les faire aboutir. Ils n'arrivaient pas à les faire aboutir pour deux raisons essentielles. Premièrement, par manque de moyens. Alors, il y a un mot valise qu'on appelle ingénierie. Et donc, par manque de moyens pour faire aboutir.